Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement la suite du let's play sur Rise of Tomb Raider. Alors on s'était arrêté ici après une longue VOD. Je rattaque juste la journée d'après, donc le lendemain. Ça on l'a déjà passé je crois. On s'était arrêté au feu de C'était camp. juste. Encore J'ai l'impression séparés. que ça n'a pas sauvegardé ce que j'avais fait. J'espère que Jacob est toujours en vie. Alors, j'avais Je ne mis sais pas quoi? vraiment où je suis. C'est l'histoire de ma vie depuis quelque temps. Ça, j'avais pris ça. Je me bats pour J'avais survivre pris et pourtant. ça, je Je crois. suis pleine d'espoir. Je suis entourée de ruines incroyables. Ça doit Équipement. faire partie de la cité perdue du prophète. Mission. Mais où commence la légende? La source divine Et est-elle ici? armes. Ah, c'était avec celle-là et je pourrais la faire là. C'est bon. Allez, c'est parti. On va continuer l'histoire principale. Hop. C'est parti. Oh non! Anna avait raison à propos de la cité. La source doit être cachée ici, quelque part. On dirait que ce mec est dans les tables. Sans l'air, c'est vraiment un plombé. Je vais voir si je peux ouvrir un passage. Il y a peut-être une autre sortie ici. Oups! Je crois que j'avais mon fusil. Enfin, pas mon fusil, mon arc. Il est touché. Tête de mec. Ouais, on en finit. Je crois que c'est fini. Là, il y a des trucs aussi. Ah, je suis à fond là. Bah, du coup, j'ai peut-être retourné au feu alors. Si je suis vraiment à fond dans ça. Pour éviter de d'être en manque après de ça. Allez, on y retourne vite fait, ce sera fait. Juste à côté. Alors, sélectionner. Ah, bah j'ai un autre point de compétence, j'ai l'impression. C'est quoi ça? On s'en fout. Plutôt. Ça. Et on va prendre pour l'arme qu'on disait tout à l'heure, du coup. Ah, il manque des pots. D'accord. Voilà. Là, je peux toujours pas. Là, normalement, ça a dû me prendre quelques armes. Enfin, quelques armes, qu'est-ce que je dis? Quelques sortes de boules. Enfin, boulons, ouais, on va appeler ça comme ça. Hein. Ah, il y a des munitions ici, quelques armes. Non, c'est bon, je suis à fond. Je suis fou. Ça aussi. Voilà. Camarade. Il est impératif que vous répondiez à mes missives. Nous avons un besoin urgent de matériel et de renforts. Une révolte est en cours, et les prisonniers contrôlent désormais le site des fouilles et les structures avoisinantes. En réponse, j'ai ordonné l'exécution massive de prisonniers issus de la population native. S'ils ont ne serait-ce qu'un peu de bon sens, ces rebelles déposeront les armes et se rendront pour sauver leurs frères. D'accord. Plein de trucs en fait. J'ai plus de place pour ça.
pas de fouiller des plats. Ça fait bizarre ça là-bas. Pas une planche. What? Outil de fabrication. C'est cool. Bah là, par contre, on va y retourner encore parce qu'on va pouvoir fabriquer sans bon des trucs. Cool. Il me manquait l'outil de fabrication, justement. Tombe bien. Désolé de revenir encore une autre fois. J'ai reçu, j'aurais fait encore une fois. Mais là. Alors, arc. C'est celui-là que j'ai. Ah oui, c'est vrai que si je choisis notre arc, ça va me faire. Ça m'augmente, je sais pas pourquoi. Du coup, c'était celui-là. Hein. On va voir, du coup. Hop, ça c'est bon. Mon pistolet. Que ça fait pareil pour. Oh, ça fait pareil. Et c'est celui-là, mon ombre de la lune, mon bébé. Alors. Ça me dit que je peux encore faire quelque chose là-dedans. Faire quoi? Ça fait encore plus de dégâts. Bah vous savez quoi, regardez cet arc là, il a l'air pas mal. Et après, après vitesse, temps de recharge, cadence un peu plus les autres, mais celui-là il est pas mal. Allez hop. Bah là on est pas mal, allez go. Même si on va bientôt passer de niveau. Ah ouais, il déchire dans le dos là. C'est pas la même chose. Hein. C'est carrément mieux. Plus professionnel. L'air quoi comparé à. Il fait bizarre. Alors. Faut voir qu'on vise. Il fait carrément mieux. Là aussi, j'en ai vu, je crois. Ah d'accord, c'est un treuil en fait, c'est pour ça. Ça me paraissait bizarre. Quand j'arrive pas. Il ne fait plus aucun doute que notre réseau de communication a été saboté. Vous n'avez dû recevoir aucun de mes derniers messages. Mais je continuerai à les envoyer car c'est mon devoir. Les natifs nous ont attaqués sur plusieurs fronts, juste après la série d'exécutions de leurs frères, censés les mater. Ils sont bien plus nombreux que nous ne l'imaginions. Il est évident qu'ils viennent de derrière la montagne et qu'ils préparent soigneusement leur révolte depuis des années. Nous n'avons plus eau ni électricité et l'hiver approche. Ceux d'entre nous qui sont encore en vie ne vont pas tarder à partir. Nous disposons d'un train de marchandises et nous allons essayer d'emporter un maximum d'archives et d'artefacts. D'accord. Donc je disais oui, puis quand j'arrive, en fait, le truc qui pète quoi. J'ai rien oublié ici. On se sent au pire, on pourrait revenir donc voilà. Allez. Je peux utiliser ces autres câbles pour forcer l'ouverture. Première à essayer de passer cette porte. J'avais vu quelque chose sur le camion là-bas. On peut pas. Ça sert à rien d'aller dedans quoi. D'accord. Hop. On prend ça.
Et du coup, si je peux me mettre par ici, je dois pouvoir. Non, je peux pas. Bon, on va prendre au moins celui-là. Après, on va voir ce que ça fait. Qu'il faut couille toi pas prends ton temps là Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Ouais, du coup, normalement, ça va faire tomber. Je pensais pas tomber autant de trucs, hein. Je voulais être discret, c'est raté. On l'entend tomber tout autour de nous. Oups. D'accord. Moi aussi. Fait mal, hein, Stark. Voilà, 4 tirs à la tête, ça fait. Ah, j'étais en train de me soigner. Oui, ça fait mal. J'ai l'impression que j'avais plus de flèches. Toi et moi. J'ai visé dans la tête. Il. D'accord, dedans. J'ai pas de flèche. C'est ce que me semblait tout à l'heure.
Moi j'ai eu le dernier. C'est un peu bordel. J'ai réussi à les avoir. Oui, j'aurais pas dû, peut-être pas dû rester avec mon arc. Voilà, j'ai fini de recharger. Je récupère des flèches à force. Là, j'ai de la thune, j'ai vu. Bouteille. Mission. J'ai du bois. Là, ça, c'est bon, je peux en prendre. Là, il y a du bois. Cool. Mission, mais on s'en fout. Boîte aussi, on s'en fout. Ah, une stèle. Je comprends mieux. Si je suis ces directions. Voilà. Franchement, c'était chaud quand même, hein, les amis. Hein. Trois flèches. Il y avait quoi en bas? Je peux pas regarder. Regardez le flingue. On verra s'il faut être fufu ou pas. Une garde d'épée en or incrustée de pierres précieuses. Elle appartenait à un noble byzantin. Oh, la lame est brisée à la base. Est-ce que c'est arrivé pendant un combat? La base c'est plus bas. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On a plus rien là. Pourquoi j'avais sauté plus loin que ça? Là, il y a un piège, j'ai des flèches. D'accord. C'est surtout ça que je voulais. Ah, c'est quoi là? Il y a un sac. Là du coup. Elle est vraiment douée cette Lara. Aïe. T'es sûr? Pas moi. Merde. Eh oui. Ah mais c'est les feux qui tombent. Les feux qu'on me tire là-dessus encore. Des trucs derrière ça? J'ai l'impression, non? Regardez. C'est que ça doit être là où il faut aller, peut-être. Encore ça, c'est de là où j'arrive. Donc, par là-bas, j'ai pas fouillé. Ah, mais c'est là où j'étais tout à l'heure, ça! Ah voilà, on va se remettre encore au feu de camp.
On y vient souvent ici, je suis désolé. Compétences. Ça, j'en ai. J'ai l'impression que c'est plus en plus dur, surtout. Allez, c'est reparti. C'est vrai que là, ici, je peux peut-être faire des. Inventaire. Sur. La flèche. Mission. Une pause. Autant que ça serve. Hein. Et voilà. Attends, star. Ça nous en est parti. Enfin bon, j'ai pas sauvegardé en fait. Voilà combien je suis. 27% tout à l'heure. Avant la sauvegarde, j'étais à 18. Heureusement qu'il y a une sauvegarde automatique. Alors on retourne là, on était tout à l'heure. Enfin on va monter voir à l'échelle là-haut. Parce qu'on m'a laissé là, du coup, son collègue. Hop. On voit qu'il y a une échelle pour monter. Il n'y a plus personne. J'ai bien tué quelqu'un tout à l'heure. Comment là? J'ai pas assez de force. C'est pas trop la bonne idée là. Faut que je descende, de toute façon je peux pas aller là-bas. On va descendre. Ah, pas descendre aussi bas. Je faisais comme des échelles. Enfin une échelle. De toute façon c'est en essayant qu'on trouve les trucs. Servira à quoi ça? Il faut que je me pousse. Arrête-toi. En plus, c'est un truc. Bien, ça devrait marcher. Si je peux faire s'effondrer cette grue. Ça devrait me permettre d'enfoncer cette porte. Hop, et maintenant, on peut continuer. Pour faire plus de poids. Y'a quoi qui bloque devant? Ah mince, ah c'est là, d'accord. C'est bon. D'accord. Ah! Deux fois tu meurs à peu près au même endroit. Bon, pour le même moment, on est au même endroit.
Voilà les mains de Spider-Man, parce que normalement ça glisse comme celui-là. Hein. Punaise, ça pète de partout. J'ai oublié de sauter. J'ai pas vu qu'il fallait sauter. Ouah, c'est quoi ce let's play de... Ah, que je vous fais là. Ça se voit que j'ai jamais joué au jeu avant. Hein. C'est bien la race. Non, je sais pas quoi. Bon endroit, c'est bon. Sprint, cours là. Ouais. Et bah, c'était chaud. Cette statue doit représenter le prophète immortel. Et ici, cela représente l'exode de tout son peuple depuis les déserts de la Syrie. Ils se sont installés dans une vallée isolée et ont bâti une grande et belle cité. Qui t'ai-je ? Pour protéger la cité ainsi que son peuple, le prophète a levé toute une armée de guerriers. Mais qu'est-ce que ça peut bien indiquer? Cet artefact-là, ce n'est pas la source divine. C'est quelque chose d'autre, mais quoi? Et ces guerriers forgèrent pour lui un atlas, pour que le prophète puisse toujours situer dans sa cité les secrets qu'elle renferme. Un plan de la ville. Il pourrait sûrement me mener à la source divine. On va voir si c'est le même là-bas. Mais... Là, ce jeu, il est bien prudent. Où les thunes ? Je suis désolé, mais je fouille quand même. J'aime fouiller. Pas un truc derrière là. Est-ce qu'il n'y a pas pareil là-bas? Non, bah allez, on descend, c'est parti. C'est un miracle que cet endroit tienne encore debout. À mon avis, c'est de faire bobo, hein. Comment tu fais déjà pour plonger? Il faut regarder en bas, non? C'est pas ça? Ah, d'accord, cachette de gauche. Là, l'air. Oh, tu tombes. Y'a rien là-bas? Mais longtemps à monter des fois. Hein. Oh, c'est beautiful. Je fouille vraiment partout, c'est un truc de fou.
tant que j'en ai fait. Pas confiance. Par contre, je vais faire un épisode beaucoup plus court que la dernière fois parce que la dernière fois, l'épisode précédent, j'ai mis très longtemps à l'uploader sur pas YouTube. Pas de plus. Du calme. Du calme. Tu sais que je ne suis pas une trinitaire. Et pourquoi devrait-on te croire? Je me suis échappée avec l'un des vôtres. Un homme nommé Jacob. Et où est-ce qu'il est? On était ensemble, mais on a été séparés dans les mines. Elle l'a tué! Non! Non, 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 non! Jacob ne ferait jamais confiance à une étrangère. Écoutez, il faut me croire, je ne suis pas votre ennemi! Je t'avais prévenu, tu aurais dû m'écouter! Sophia! Arrête! Père! Je croyais t'avoir perdu. Content de vous voir ici. N'en veuillez pas à Sophia, elle est... prudente. Je le serai tout autant à sa place. Qu'est-ce que tu as découvert? Les Trinitaires arrivent en nombre. Nous devons nous préparer. Et elle? C'est une alliée. Je vous demande de ne lui faire aucun mal. Toutes ces ruines. La cité perdue du prophète est tout près. Venez. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Préparez la réserve d'armes. Et sécurisez les remparts, allez-y, maintenant! Ils ne vont pas tarder. Et nous ne sommes pas assez. Les enfants et les anciens sont vulnérables. Va, conduis-les dans les catacombes. Allumez les feux, il faut vite alerter la vallée. Waouh, époustouflant. Sophia, rassemble nos combattants. Et venez me rejoindre au village. Ne t'avise plus de disparaître, père. Il y a beaucoup à faire. Et si on avait un peu plus de temps? Plus tard. Pour l'instant, je vais voir si je peux me rendre utile. Il y a un truc que je comprends pas trop. Pendant les scènes cinématiques... ça faisait du 35, 32, 35 et la seconde. Et quand je joue, bah je suis à 60 constant. Bah, bien sûr, des fois ça ralentit un peu, mais. Il faut qu'on puisse transmettre le message aux. Ce vase devait être magnifique avant. Mais quelqu'un y a percé des trous et l'a rempli de terre. Il devait sûrement y faire pousser des plantes. Colonie. Qu'elle sache ce qui nous menace. Je vais faire de c'est vraiment bête que pendant les scènes cinématiques, il y a des baisses de framerate. Il faut des yeux braqués sur la vallée. Placez-vous sur les falaises et faites le guet. Prévenez-moi à l'instant où vous verrez leurs hélicoptères. Ok, c'est compris. Et on voit quoi que ce soit, je peux descendre par là. Il me faut un truc pour faire ça et ça, non? Pas d'explosif. J'ai vu Annie. J'avais promis de les garder, je suis sûr. Qu'est-ce que j'en ai fait? Jacob avait dit que... j'avais complètement remis après les soviétiques. Hop, déjà fini, d'accord. Par contre, il faut ça. Ils ont presque tout utilisé pour réparer les tours de garde. Il va falloir qu'on se débrouille avec ce qui reste. Ils ont besoin de têtes de flèche pour se battre. Il faut me donner plus de bois. J'en ai deux. Encore un hiver difficile pour mon peuple. Il y a plus de décès que de naissances, désormais. Et saison après saison, les plus jeunes s'impatientent.
Je les vois lever la tête quand les rares avions passent dans le ciel loin au-dessus de nous. Pensifs. Rêveurs. Curieux. Je sais qu'ils sont toujours dévoués à la cause. Mais je sens qu'un changement se prépare. Bientôt, notre mode de vie disparaîtra. Les derniers envahisseurs ne sont plus qu'un lointain souvenir. Mais d'autres trouveront notre vallée. Et nous sommes liés au destin de ce lieu à jamais. Pour le meilleur. Et pour le pire. J'ai coupé pas mal. Et puis, je ne sais pas combien de temps il te reste pour forger. Ça veut dire qu'il écrit en grec, vu que ça va augmenter le grec. Salutations. Vous êtes l'hôte de Jacob. Si ça vous dit, ceux qui réparent les tours de garde au bas du sentier ont besoin d'aide. Sans vouloir vous vexer, hein. C'est juste que vous n'avez pas le profil pour vous servir d'une enclume. Salutations. D'accord. Y'a rien au fond ? Non, ici. Pas le coup profond. D'accord. Je croyais qu'on pouvait aller plus au fond. Là-dedans, y'a rien. Si vous voulez vous rendre utile, vous devriez aller au bas village. Si j'ai pas envie d'y aller. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur qui pourrait en entraîner d'autres. J'ai passé du temps seul avec Alia. J'avais réussi à éviter cela jusqu'à présent. Elle me rappelle ma très chère Sophia, que je croyais avoir oubliée depuis longtemps. Mais la blessure s'est rouverte. Elle m'empêche de penser clairement. Même quand elle n'est pas présente. Je me fais l'impression d'un enfant écervelé, et cette époque est loin derrière moi. Je dois enfouir ces vieux sentiments et m'éloigner de mon peuple quelque temps. C'est donc pour ça qu'il est parti. Là-haut. Il est verrouillé un fusil. Mais où est-ce que... Où là-bas? On a besoin d'aide si vous êtes là pour ça. Comment vous avez trouvé cet endroit? Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce qu'il veut, en fait? Il faut qu'on fasse... Je suis venu aider. Qu'est-ce que je peux faire? On essaie de fortifier le plus de tours possible. La plupart ont été endommagés par les inondations de l'an dernier. Les réparations avancent bien. Mais j'ai besoin de matériel supplémentaire dans la vallée. Si on parvient à réparer ces tours, on aura l'avantage sur les envahisseurs. Et ça nous permettra d'atteindre les niveaux supérieurs des ruines. Vous voulez bien nous aider? Je vais voir ce que je peux trouver. Merci. Allez. On va aller voir ce qu'on peut trouver. En même temps, moi, je fouille un peu. J'adore plein de trucs à trouver et je cherche surtout un feu de camp pour arrêter l'épisode. Vous avez rechigné à apprendre vos lettres, proclamant qu'elles ne servaient à rien pour chasser. Eh bien voici votre première leçon. Tout est lié et j'ai toujours raison. Pour ceux d'entre vous qui ont été assez fous pour persévérer et qui peuvent lire ceci, voici votre premier devoir. Traquer, chasser et me ramener la fourrure d'un des petits animaux de la vallée. Vous trouverez des lièvres partout, de nuit comme de jour. Les petits brins dans notre vallée et les lièvres des neiges sur les hauteurs. Les écureuils restent dans les arbres et se réfugient dans leurs terriers quand il pleut. Si vous préférez traquer des rats, regardez dans les ruines ou tout autre endroit où la mort rôde encore. Mais si vous pouvez, évitez de me ramener un rat. Tu m'étonnes. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est des trucs à faire, ça. Je peux te ramener. C'est bête, on peut pas ramener. Enfin, récupérer la flèche quand on l'a lancée.
Hop là, je passerai des heures encore sur ce jeu. On fouille partout. Ah, il fallait tirer dans le mille, j'ai pas fait exprès, par contre. Transport, j'ai pas fait exprès là. Si je shot, je meurs, je pense. Alors, en plus, il commence à flotter. Il y a 8 cibles comme ça à faire. Je crois qu'ils avaient eu. Les fidèles du prophète sont partis vers l'est. Le périple a été pénible. Niveau 4. D'accord. Je suis vraiment une bille. Hein. Mince. Ah, enfin! Alex, il serait content là. Oh, t'as tué un lapin. Y'a pas de cible, j'ai pas fait gaffe à hauteur. Non. Par où on passerait là? Je sais pas. C'est joli en tout cas comme musique. Ouais, allez, on va se faire cette grotte. Je sens que l'épisode va encore durer longtemps. Voilà. Je sais qu'il est surpuissant ce fusil. J'en ai fait tout à l'heure. Ça, j'avais deviné. Respirateur, c'est que ça doit être plus loin. Enfin, comment dire, ça doit être trop long à parcourir sans pouvoir respirer. Cool. Enfin, cool, oui, donc, mais cool. Si je pourrais trouver un feu de camp, je serais content.
Et voilà. Juste à côté. J'ai sauté comme un couillon. Tarzan! Allez, à la commando. Couchez les chiens. En plus, je pense que là, comment dire, je vais pouvoir augmenter quelque chose que là. Je sais que c'est la porte, si je regarde, je sais pas de cible. Ouais, au feu de corps, je pense que je vais pouvoir augmenter. C'est même certain, de toutes les pots que je viens de récupérer. Oh, ça se trouve que ça a un truc à faire encore long. Mais bon, je rechine pas, je fais. C'est pas grave, ça dure longtemps l'épisode encore. Comment on aura avancé? Incroyable! Cette architecture est antérieure à la naissance de l'église orthodoxe. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Une boucle de ceinture en or. À la fois belle, résistante et pratique. Elle faisait partie d'un uniforme militaire. D'accord. Un feu de camp. Alléluia. J'ai laissé ma femme aux mains de ces médecins. La maladie a évolué comme nous le craignions. Sa peau s'est transformée en écaille et ses extrémités sont devenues insensibles. Ils disent qu'il n'y a plus rien à faire pour elle, si ce n'est essayer de soulager ses souffrances et rendre sa mort moins pénible. Mais elle doit rester loin de la cité, loin de moi. Ma femme va mourir et jamais plus je ne la reverrai en ce monde. Je vais hâter mon passage dans l'autre pour la rejoindre. Ça veut dire suicide. Avec lui. Oh non, parce qu'il y a son pire. Ah bah les amis, nous on va s'arrêter après ce feu de camp. Compétences du coup. Non. Et là, c'est quoi des coups survivantes? Il y a des trucs intéressants. Fabrication rapide. Plein de ressources, les ennemis tués, mais à terre. C'est passé, nanana. Attends, je m'en sors à l'armée. En fuite, fabriquer des charges à grande capacité. D'abord, arme. Ah, le piolet. Cette jolie. Ah, les as, c'est là, je peux plus. Et mon. Quoi? Je sais pas, c'est quoi les coups de.
Là-dedans, je peux refaire le nous. Ah, il manque de la peau. Pour ça aussi. Ça aussi. Et ça, c'est pourquoi c'est qu'un matériel poche mis sur fil. Ah, c'est-à-dire qu'il faut sûrement. Ça. C'est quoi les peaux qui brillent? Enfin bref les amis, je vous renseignerai au jury sur le tas. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Bon, il est un peu plus court que la dernière fois. Et par contre le RTX Voice est activé. J'espère que ça va pas faire bugger la capture. Pitié. Et alors si il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, donner des petits conseils, etc. À vous abonner, c'est pas déjà fait, à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.